Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Skyrim, l'Assassin. Donc dans l'épisode on s'était quitté juste ici justement, à Rivebois. On allait continuer la quête principale. Donc on va la continuer tout de suite. Ah là là. Alors c'est à elle qu'il faut parler, tiens. C'est mon auberge. Il est normal que je note le passage des étrangers. La mansarde, hein? Eh bien, nous n'avons pas de mansarde. Mais vous pouvez prendre la chambre sur votre gauche. Faites comme chez vous. Bon, d'accord, ça marche. Comme ça. C'est celle-ci. Non. Je vais pas voler, je vais fermer la porte. Et là, je pense qu'il faut dormir. La quête, c'était quoi? Non, c'est pas celle-là, c'est celle-là. Ok. Et le mot, il nous disait quoi? Alors. C'est sans parchemin, je pense, non? Le livre, ouais. Note mystérieuse. On parlait là. Ok, bon. Bon, bah. Ah, voilà. Vous êtes donc l'enfant de. Je crois que c'est ce que vous cherchez. Ouais. Nous devons parler. Suivez-moi. Bon. Bon, en fait, je ne pouvais pas dormir. Je vais juste attendre. Ouais, bah, lui, il va attendre pour avoir sa corde. Hein, parce que tout le chemin qu'il y a à faire. On va prendre la bourse. Non, on va voler. Maintenant, nous pouvons parler. Ah ouais, elle nous cache bien des choses, elle, en fait. Il y a plein d'argent ici. C'est cool. Non, pas la dernière aussi. C'est pas grave. Bon. On rapporte rien. Les grises barbes semblent croire que vous êtes l'enfant de dragon. Effectivement. J'espère qu'ils ont raison. Alors. Bon, on va aller comme ça. Je l'espère bien. Mais vous me pardonnerez de ne pas prendre ça pour argent comptant, juste parce que les grises barbes l'ont dit. Je viens de vous remettre la corne de Jürgen par le vent. Est-ce que cela fait de moi aussi un enfant de dragon? C'était le seul moyen pour moi d'être sûr que ce n'était pas un piège du Talmor. Je ne suis pas votre ennemi. Je vous ai déjà donné la corne. Ouais. J'essaie de vous aider. Il faut juste que vous m'écoutiez. Je t'écoute. Comme je l'ai dit dans mon mot, j'ai entendu dire que vous étiez l'enfant de dragon. Je fais partie d'un clan qui vous recherche, ou qui recherche quelqu'un comme vous depuis très longtemps. Enfin, si vous êtes vraiment l'enfant de dragon, avant que je vous en dise plus, je dois être sûr de pouvoir vous faire confiance. Bah, qu'est-ce que tu veux de plus? Allez. Alors. Ok. Si vous ne me faisiez pas confiance, vous auriez commencé par ne jamais mettre les pieds ici. C'est pas faux. Nous nous rappelons ce que la plupart oublient. Que le destin de l'enfant de dragon est de nous débarrasser des dragons. Ouais. Il n'y a que vous qui puissiez tuer irrémédiablement un dragon en dévorant son âme. C'est pas faux. Êtes-vous capable? Pouvez-vous dévorer l'âme d'un dragon? Ouais, quand j'ai la dalle. Bon, on va dire ça. Ce n'est pas le moment d'être modeste. Vous êtes l'enfant de dragon ou vous ne l'êtes pas. Enfin, je le saurai bien assez tôt. Bon alors. Bon, peut-être un truc qui a marché quand même. Nous sommes de vieux ennemis. Et si mes doutes sont fondés, il se pourrait qu'ils soient liés au retour des dragons. Mais ce n'est pas le plus important pour le moment. Ce qui compte, c'est que vous êtes peut-être l'enfant de dragon. Ouais. Bon. Ce n'est pas simplement que les dragons reviennent, c'est qu'ils reviennent à la vie. Ils ne se sont pas absentés pendant toutes ces années. Ils étaient morts, tués il y a des siècles par mes prédécesseurs. Quelqu'un ou quelque chose ramène les dragons à la vie. Je veux que vous m'aidiez à mettre fin à ça. Ok. Il y a quelques années, j'ai dit presque la même chose à un de mes collègues. Il s'est trouvé qu'il avait raison, et moi tort. Ok, donc. Je le sais. Je suis allé voir les vieux tertres où étaient enterrés les dragons. Et je les ai trouvés vides. Et j'ai découvert où réapparaîtra le prochain. On va aller là-bas.
et vous tuerez ce dragon. Et comment elle a fait? Si nous réussissons, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Ça marche. Le bosquet de Kin. Un dragon a été enterré non loin de là, il y a fort longtemps. Si nous arrivons là-bas avant que cela se produise, nous apprendrons peut-être comment empêcher le phénomène. Ça marche. Allons tuer un dragon. Il faut que j'aille mettre ma tenue de voyage. Laissez-moi une minute pour me préparer. Ça marche. Attends, je vais voir si t'as pas d'études. De l'or, ouais. On va tout prendre. J'aime mieux. En route pour le bosquet de Kin. Attends. Sans distance au feu, ouais. Sans léger, ouais. Sans du guerrier, ouais, on va prendre. Tiens, ça, ça m'a l'air pas mal ça. Bon, l'alchimie, on en fera plus tard. Quoique, il y a encore des petites potions ici. Et on va désenchanter un petit peu avant d'y aller quand même. Je pense que j'ai pas mal de trucs. Voilà, oui. Oui, oui, c'est sympa. On évolue comme ça un petit peu. Ah voilà. Alors, où allons-nous? Ouais, déjà parti elle. Le bosquet de Kin est par là. Nous pouvons voyager ensemble ou nous séparer et nous retrouver là-bas. Comme vous, comme vous voulez. Alors, on va voir où il est. Ça, c'est le Roadgar. C'est Basket King, ok. Bah écoutez, je crois que je vais faire une petite ellipse tant qu'on arrive là-bas. Et puis moi, je me balade avec elle tranquillement. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et nous revoilà, donc beaucoup de temps plus tard. J'ai eu énormément de bugs. Enfin, j'ai fait la route trois fois, en fait, pratiquement. Je suis pas allé jusqu'au bout. Alors, normalement, on n'est pas loin du dragon. Voilà, on y est. C'est gauche. Donc c'est plus par là. Elle, Delphine, je sais pas ce qu'elle fout sur la route, elle était super longue. Donc l'avantage sur la route c'est que bah, j'ai pu avoir un niveau, j'ai énormément de plantes. Tiens, si on peut passer. Énormément de plantes, donc pour l'alchimie ça va être utile. Même si c'est pas un truc que je vais évoluer, ça peut toujours nous être utile. Par contre là j'ai pas du tout suivi un chemin, là j'y vais à Wallagan. Il y a le renard ici. Donc il y a pas mal de trucs à faire sur la route, c'est plutôt sympa. Je pense qu'il est là le dragon. Ok, là on y est. Et Delphine est toujours par ici. Je sais pas s'il faut monter un peu plus haut pour voir la route. Je sais pas, non, y'a pas de route, y'a pas quelque chose. Si y'a la route ici. Ok, t'as des morts. Je faisais quoi? Je faisais bronzette elle. Ah, elle est là. T'es derrière il y a 5 minutes. Bon. Écoutez. Bah écoutez, c'est tous bronzette ici. Salokunir. Ça, ça le doit. Regarde, c'est pire. Ouais. Parce que c'est pas l'état mort. Il est pas beau. Alduin Turi. Moantit vocré à Solex en Jund Cruz. Ils sont assez longues. Calmir. Bon. Foulosai Dovaki. En fait, ils m'ont regardé tous les deux là. Tu ne parles même pas notre langue, n'est-ce pas? Tu oses te faire appeler Dora. Quel arrogant. Tu vas voir si je parle pas ta langue, toi. Ouais, bah, on a que celui-là pour l'instant qui peut être intéressant. Salokmir, cri d'Arthur. Pousse! Ah, mince, appuyez sans faire exprès. Alors, Alduin il se casse, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Non, mais crache pas du feu dessus. Ah, punaise, enfoiré. Je viens de battre au corps à corps, c'était un homme. Ça fait mal. Ok, bah tu seras battu à l'arc alors, hein. Parce que j'ai pas envie de mourir. Non, bah tant pis. Non, là, il est où?
Ok, là c'est bon, on tourne sur les armes. Yeah. C'est con, on n'est pas sauté dessus. J'aurais bien aimé. Ouais, je sais, je sais. Alors, il y a... On s'est pesé lourd, moi. Ouais. On est tout pile. Partout les dieux. Alors. Ah. Viens ici, âme de dragon. Oui, je le suis vraiment. T'évanouis pas, t'évanouis pas. C'est vrai, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment l'enfant de dragon. T'avais des doutes, ça? It's me, Mario. Je vous dois des réponses, n'est-ce pas? Ouais. Tiens, on va te parler. Je vous dois des réponses, n'est-ce pas? Ah, deux fois. Allez-y. Là, un petit bug. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je ne vous cacherai rien. Oh là là. Pas la moindre chose. J'ai été aussi surprise que vous de trouver ce gros dragon noir ici. Attends, toi, je m'allais venir ici, tu as écouté surprise. Vraiment? Où? J'ai attaqué quelqu'un. Intéressant. Le même dragon. Bon sang, nous tâtonnons en pleine obscurité. Nous devons trouver qui se cache derrière. Ah là, c'est ça du beurre, elle. Alors, qu'avez-vous avec vous? Je suis l'un des derniers membres des lames. Ouais. Il y a de cela très longtemps, les lames étaient des chasseurs de dragons au service de l'enfant de dragon, le plus grand tueur de dragons. Au cours des 200 dernières années, depuis le règne du dernier empereur enfant de dragon, les lames se sont recherchées une cause. Et maintenant que les dragons sont de retour, celle-ci est claire. Nous devons les éliminer. Vous avez vraiment la haine envers les dragons, vous. Ah là, les lames sont-ils? La première chose à faire, c'est de découvrir qui se cache derrière les dragons. Notre meilleure piste, c'est celle des Talmor. S'ils ne sont pas directement impliqués, ils sauront qui l'est. Rien de sûr pour le moment, mais mon instinct me dit qu'il ne peut s'agir que d'eux. Ça marche. L'Empire avait capturé Ulfric. La guerre était comme terminée. Soudain, un dragon attaque. Ulfric s'enfuit et la guerre refait rage. Et maintenant, les dragons attaquent partout au hasard. Bord de ciel est affaibli. L'Empire est affaibli. À qui cela profite-t-il, si ce n'est au Talmor? Je sais pas. Voilà. Hop. Hop, on va faire ça. Parce qu'il n'y a pas une portion de notre quête. La grande guerre, les lames aidaient l'Empire à combattre. Ouais, il parle, mais bon. Nous les avons donc combattus dans l'ombre, dans tout Amriel. Nous pensions être supérieurs à eux. Mais nous nous trompions. Ok, eh ben c'est cool. Ah non, on peut poser encore la dernière question. Nous devons découvrir si les Talmor sont responsables. Je ne le sais pas encore. J'ai quelques idées, mais il va me falloir du temps pour concrétiser tout ça. Ça marche. Retrouvez-moi, Rivebois. Si je n'y suis pas à votre arrivée, attendez-moi. Je ne serai pas loin. On fait comme ça. Les choses ne vont qu'empirer. Ok. Bon. Ah ben, on est tranquille. On a une nouvelle quête. Je pense que je vais aller aux écuries ici pour l'instant. Et ouais. Ah non, on est trop loin. Je peux aller les voir eux. On va aller aux écuries pour l'instant. Je vais carrément aller dans Vendôme. Carrément dans Vendôme. On va essayer de faire un peu d'alchimie. Parce que là, on est un peu plein. Un peu d'alchimie, de se débarrasser un peu de tout ce qu'on a. Et puis après, on verra. Bah écoutez, moi je vais m'occuper un peu de tout ça et je vous retrouve tout à l'heure quand on fera une nouvelle quête. Je pense que je vais aller directement après à Blancherie puis Rêvebois. Et on continuera cette quête là. Donc je vous dis à tout à l'heure. Et on se retrouve juste un peu plus tard. Alors là, je me fais agresser par un breton depuis tout à l'heure, il m'agresse. Je me suis dit au début, j'hésitais un peu à reprendre la vidéo maintenant, mais bon, je me suis dit que c'était pas mal pour faire un petit combat. Sauf qu'il a l'air chaud. Allez, viens. Waouh, les esquives de malade. 1, 2, 3. Alors, j'ai le temps de passer. Putain, il est bien équipé le salon. Oh. On va faire quelques potions. Non, pas dans magie, c'est dans potions.
surtout que je suis en feu. Donc j'ai fait pas mal de potions, hein. J'ai pu en faire quelques-unes qui me sont utiles maintenant d'ailleurs. Alors, résistance au feu. Bon allez, on va faire ça. On va l'utiliser. Et ouf, j'espère pas le trouver, c'est horrible. Ah voilà. Alors là, au son de soin, bien, ça figure. Et un niveau en plus. Le diamant, ça c'est génial. L'armure d'humeur, c'est de l'armure lourde, donc non. Le mec, il avait tout sauf les bottes, quoi. Eh ben, c'est bien, on a encore passé un niveau. Et on va profiter pour mettre les points maintenant, d'ailleurs. J'avais un deuxième point auparavant d'un niveau. Alors, le cimetière qui a pas mal évolué. La forge, que... je vais en garder un pour la forge maintenant, je pense, qui est ouf. La forge, elle est là, niveau 39, elle est sur le point de passer, donc je vais l'attendre. Je sais pas si c'est... Ça, c'est quel niveau? 60, ok. Et ça, c'est quel niveau? 50. Bon, finalement, on n'aura pas besoin de points tout de suite. Ça, c'est cool. Alors, un mur long, non, pas un an, demain, non, une main, on n'a pas encore le position pour décapiter, c'est quel niveau? 50. La musique épique, tu sais, on fait ça, l'archerie pas tout de suite, l'armure légère, on s'en fout un peu, la furtivité, tiens, on peut augmenter, de toute façon j'avais dit quoi, ouais, j'avais dit furtivité, animal, forge, éloquence, tiens, l'éloquence, qu'est-ce qui nous permet de faire ce genre, les prix d'achat des ventes sont, les ventes sont très plus 10%. Ouais, on va d'abord améliorer la furtivité, hein, puis on va voir. Alors, ici on a quoi? Ah, vous ne déclenchez pas les pièges au sol, ça peut être intéressant ça. Et ici, c'est... Oups. La texture va lag. Ah ouais, ça je vais prendre parce que c'est super intéressant. Et on va mettre aussi celui-là. Hein. De toute façon, celui-là c'est 50, donc ce sera bientôt. Courir en furtivité, exécuter... Ah, ça, ça va être aussi intéressant. On va recourir en furtivité. Bon bah deux petits points de combat qui font, deux petits points pour la FTG qui font bien plaisir. Et donc là bon on est sur la route hein, de Rivebois. Oh déjà je vais d'abord, tiens, ouais, la route ça va être ici. Ouais, plus facile à faire dans un sens que dans l'autre. T'as pas un petit cerf dans le coin, j'aimerais bien tester ma technique là. Du x3. Ah il est pas là. Ouais il est épuisé déjà. Est-ce que je peux recourir un petit peu? Hop. Bon bah ça fait plaisir, un petit combat comme ça qui me fait passer un petit niveau. Même s'il était tendu comme le combat, je vais pas dire, les potions ça aide vachement. Ça l'alchimie, peut-être que j'en ferai encore un... Peut-être que je mettrai des points d'alchimie bien plus tard. Je verrai pour ça, hein. Ce sera à voir. Alors d'abord je vais passer directement à la forge, avant de passer à la voir elle, c'est la façon. Je vais aller voir la forge. Hop 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 hop. T'es là toi, merci. Lingots sont pas réapparus. À la recherche d'une nouvelle lap, ce qui se fait mieux en matière d'armes et d'armure. Ok, alors hop, divers. Ah voilà, mine de fer. On va prendre les 10, hein. On va se faire chier. Ouais. Hop, je vais à ta forge. Voilà, comme ça, merci. Et fer, je vais prendre les. Time, on va faire, voilà. Hop. Voilà, ça on est venu niveau 40. En forge. Ça me stressait d'avoir un seul truc. Hop. Papa dit que je me méfie pas. Ouais, papa il parle beaucoup aussi. Et donc ici elle est où elle? Elle est. Ouais. Apparemment personne n'a essayé de suivre. Venez, ah, j'ai un plan. Ça marche, t'attends en bas. Il y a une table de chimie. Nous avons des chambres et de la nourriture, de quoi boire aussi. T'inquiète. Alors. Le coup de son sauvage, c'est pas mal à prendre. Ça je vais prendre, ça je vais prendre. Ah peut-être celle, ça si je vais prendre. Ah ça je vais prendre, ça je vais prendre. Je prends tout ce qui est intéressant, les flèches en acier. Je sais comment nous allons vous faire entrer dans l'ambassade du Talmor. Ça fait longtemps que je fais ça, vous vous souvenez? Ouais. Pendant que les Talmor me cherchaient, je les observais. Ok, ça marche. Hélène Wen, l'ambassadrice du Talmor, organise régulièrement des réceptions pour permettre aux nantis de venir faire leur courbette au Talmor. Je peux vous faire participer à une de leurs réceptions. Une fois à l'intérieur de l'ambassade, trouvez le moyen d'accéder aux documents secrets d'Hélène Wen. Je connais quelqu'un à l'ambassade. Okay. Il n'est pas capable de ce genre de mission à haut risque, mais il pourra vous aider. Il s'appelle Malborn, un elfe. Je lui dirai de vous retrouver à Solitude. Pendant ce temps, je me débrouillerai pour vous obtenir une invitation à la petite... Retrouvez-moi aux écuries de Solitude lorsque vous aurez mis les choses au point avec Malborn. Des questions?
Alors, tac. Ok, celui-là est vide. Tiens, une... oh, c'est un espadon aussi. Dommage. Quoi ? Quelque chose vous embarrasse encore ? Non, du tout, du tout. Celui-là est vide aussi. Sauvage, j'avais pris juste avant, tu vois. Un autre. Alchimie, on va faire un petit peu voir ce qu'on a comme potion. On peut faire magie endommagée, non. Conjuration, fort de magie. Association de magie, non. Bon, tant pis. Ingrédients, j'ai quoi aussi ? La tête des gens, tiens. Bah tiens, celle-là, je la connais pas. Peut-être celle-là, je la connais. Alors, on va faire un truc. Ouais, bon, on a la chimie. On va goûter un petit ingrédient. Hop. Ça, c'est pour la chimie. Un petit conseil quand vous avez rien à faire pour l'instant dans la chimie, goûtez un ingrédient que vous avez pas. Par exemple, là, ici. On a découvert que ça faisait de la pénalité de magie. Bon. Le reste, j'ai tout. Tiens, même certains où j'ai tout. Ton sauvage aussi, j'ai tout. On va se faire quelques petits tests maintenant dans la chimie. Bon, je m'en fous de façon de faire des ingrédients. Alors, ingrédients. Ça me fait sa pénalité à la magie. Et. Ça, non. Tiens, on va faire ça. Hop. Ah, bah, tiens, voilà. Voilà. Les petits tests qui se font toujours bien plaisir. Mettez que le tête celle, celui-là. Ok, potion échouée. Couton sauvage, il peut se mettre avec la lavande. Ah, oui, c'est vrai que ça, c'est. Hop. Je vais tester les œufs de carnassier avec un peu tout. Ah bah voilà, hop. Bon après les potions ils échouent, c'est pas grave, hein, des moments on peut aussi découvrir des choses, donc on aura beaucoup plus de choses à faire en alchimie maintenant. J'aimerais bien même enchanter quelques trucs. Ouais, je vais enchanter mon arc, tiens. Parce que j'ai enchante. Alors qu'est-ce que je peux enchanter de faire en soin, pioche, les P-orques. Celui-là peut valoir pas mal à enchante. Qu'est-ce qu'on peut acheter comme enchante? Enfin d'alchimie, illusion, destruction, furtivité. Mmh. Alors il y avait pas un truc je pose une question, c'est la miette que j'ai nous donne du renfort de vigueur. C'est bien ça. Objet tenu. Ok, pensant j'ai ça sur moi. Voilà. On peut pas la désenchanter elle. Ok, bon tant pis. L'anneau tiens. On va se mettre celui-là, on va voir ce qu'on peut mettre d'enchant dessus. Alors en enchantement dessus, on peut mettre quoi? Enfant d'alchimie, enfant d'archerie. Alors les attaques terminent main. Ah ça peut être intéressant. Furtivité. Ouais, on va mettre en fort de. Enfant d'amène main, ouais. On va mettre la commune. Ok, l'insignifiante elle rapporte quoi? Un point. Ouais, bon, on va mettre l'insignifiante, c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que je peux enchanter encore? Mon arc, tiens. Enchantement, dégâts magiques. Ouais, ça peut être intéressant, dégâts magiques. Allez hop. On va le mettre max utilisation, on fera qu'un point de dégâts en plus, c'est pas grave. Voilà, très tac. Et ça nous fera aussi de l'enchant en plus. Allez, on va tout enchanter, de toute façon, je vais enchanter en rapidité. Alors, celui-là, on va mettre en renfort. Mettons un renfort de furtivité sur celui-là, j'aime bien. Et je vais mettre l'ordinaire. Enchantement. Bah d'abord, on va prendre l'objet quand même. Hop, un collier et on va mettre un renfort d'archerie. Allez, hop. Non, un autre renfort d'archerie pour notre collier. Ouais, ça. On est plus trop enchante. Une épée là. Ouais, non, je vais prendre celui-là. Petits anneaux. Hop, l'objet tac. Plus qu'un dernier objet enchante. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire celui-là? On va enchanter une dague, allez, une des dagues, comme ça. Mettre peur. Et hop. Oui. Et voilà. Ça, on a voulu pas mal l'enchante aussi. Hop. Et donc là, on devait aller. Elle m'a dit d'aller où? Notre petite quête. Alors. Et alors. On trouve un mal-bande à solitude. Ok, donc là, faut que j'aille jusqu'ici. Bah là, je vais aller jusqu'à Blanche-Rive et je vais prendre ma petite charrette. Ou même je vais aller jusqu'à Blanche-Rive. Non, on va plutôt aller voir. On va plutôt s'adresser à elle, en mode Motière. Et puis après, on verra où on en est. Donc moi, je vous dis à tout à l'heure quand on se retrouve chez Amon Motière.
Et nous voilà donc juste un peu avant, je commence à aller vers Blanche Rive et je tombais sur lui. Il me prend toujours plaisir. Cette route, j'aime beaucoup, on dirait qu'on se fait toujours agresser, mais c'est sympa. On va l'intimider, hein. Bien essayé, mais vous ne m'impressionnez pas. Bah, ça marche pas. Je ne vous le demanderai plus. D'accord. Pas de demande plus alors. De mourir. Putain, alors, ce seront vos dernières paroles, imbécile. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Bon, un voleur avec cette armure là. Ah, c'est une armure elfe. Là. Oula, j'ai fait un tesso. Crochet, ruby, dag, orc. J'en ai déjà une. Bon, on prend une deuxième, on sait jamais. Pas d'elfe. Et... Ouais, non, de toute façon, j'ai meilleur que ça pour l'instant. Bon, bah voilà, c'était la petite. Petit truc vite fait pour montrer que j'adore cette route. On se fait toujours agresser. Et donc voilà, donc, je vous retrouve tout à l'heure devant Shaman Maupierre comme on avait dit juste avant. Alors nous voici chez chez Amon, je pense que c'est ça. C'est... Il m'a dit de venir ici pour l'instant. Alors les urnes, il y a de l'argent ici. Un petit coffre. Non, c'est pas. Potion de mesure, je vais prendre. On n'a pas d'autre là. Bon, les urnes, c'est bon. Je suppose qu'on va se faire un petit combat ici, ça va être plutôt sympathique. De l'or, il y en a partout, ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Est-ce que c'est un bandit? Oh. Déjà, j'aime pas trop beaucoup ça. Je veux dire... Ah, oh, j'aurais pas dû dire, bon, c'est pas grave. Couché. Non mais... C'est quoi cette agression? Le début. Ouais, ça va être un petit temple. Je sais pas s'il va être long. Ok, il y a des portes partout. Je vais voir celle-là, de toute façon c'est celle en cet endroit. Ok, c'est juste ici. Bon, bah je sais qu'il est là, donc ce sera... Je pense savoir pourquoi c'est là, c'est... Ouais, je pense connaître, donc on ira à la fin, on va d'abord faire ce petit truc. Il m'a l'air fort sympathique, tiens, salut toi. Vous avez des arcs, les gars. Bon, bah c'est pas grave, on va leur montrer ce qu'il y a à l'arc, hein, quand même. Ils ont l'air d'être beaucoup là. Je sais pas d'où je me fais agresser, je sais que je me fais agresser. Bah, il est où? Ok, là, toi là-bas, t'es à l'arc. Ça, tu galères pas. Bon, bah, c'est. Il bug pas du tout, garçon. Ok, ça marche. Suivant. Hop. Oups. Trompé d'arme. Enfin, trompé de touche. Plutôt. Sympathique. Toi, ah, sympa. Ah bah voilà, un truc qu'il me fallait. Ils sont gentils quand même. Puis c'est vrai qu'on déclenche pas des pièges au sol. On peut carrément se détruire. Bon. À gauche, c'était pour monter ici.
Ok, s'il n'y a rien. Ouais. Et donc là, pas réussi. On va voir peut-être un truc intéressant. Ah, il y a pas encore un truc là, t'as dessus. Ok. Peut-être de là qui m'a agressé, mec. C'est quoi ça? Waouh, c'est quoi ce truc? T'es en train de dessus. Par contre, toi, t'es méchant. Si c'est bien caché méchant, en fait il nous voit même plus carrément. C'est juste pour ça. Mais vous pouvez me faire peur. Alors lui il s'en va déjà, il se trompe. Suivant. Ok, bon, ce château est un peu nul. Y'a pas. pas grand chose. Sympathique l'épée de cérémonie. Est-ce que on peut pas chercher dessus? Ah si, là. Non, c'était le crâne. Bon, tant pis. C'est juste pour ça? Bah alors, c'est quoi cette arme? Épée cérémonielle. Ouais. Peut-être en rapport avec la quête qu'on avait eu, qu'on a eu. Là, le silence, trouver les armes cérémonielles. J'ai trouvé l'épée cérémonielle. Ok, donc on a plusieurs, donc là c'est un des tombeaux je pense, et donc il doit en avoir d'autres. Ok. Parce qu'on avait vu qu'il y avait plusieurs entrées. Bon, une avec Amon. Une pioche, c'est pas cérémonial celle-là. Tiens, celle-ci. On y est passé, ok, ça c'était par là que je viens. Non, bon allez ici hein. Ok, là on en... Les méchants ils sont très discrets je trouve. Salut. On prend même le temps de les tuer tranquillement maintenant. Je prends mon temps. Squelette, y'a pas fouillé non. Ah, il y en a plein. Oh, deux. Ok, alors lui, il va prendre cher. Voilà. C'est même pas dur. J'aurais peut-être essayé de voir. Ouais, j'aurais peut-être dû essayer d'augmenter la difficulté du jeu. Ce serait peut-être intéressant. Parce que c'est vrai que là... pas très dur. Ah bah je suppose qu'il y a une arme là-bas et lui là-bas il va se réveiller non. Oui il se réveille. C'est ce que je pensais. Ous. Ok. Petite potion vite fait comme de soin. Ah non, augmente la santé de 20 dans par seconde. Ah si. 60 secondes. C'est 25 santé. Station, fin de vigueur, fin de marchandage. Moi je le sentais augmente la 150. Ouais. Non, c'est pas ça. Bon, on va augmenter ici notre santé. On augmente de 20 pendant 60 secondes. Ok, on va mettre ça. Ok, lui il m'en veut. Ça va utiliser masse potion par contre. C'est horrible parce que ça sort 50 points de vigueur, ouais. J'ai pas attaqué à fond, mais j'ai attaqué comme un point dégénéré quoi. Naza main de main, affiche. Ah voilà, ça va prendre ça.
prendre tout ce qui peut nous aider, hein, parce que là... Bon. Ça, il y aura plein d'autres. Si, oh, il était infernal, celui-là. Tanantan. C'était la blague du jour. Bon, le dernier, lui. C'est un troll, c'est ça? C'est ça, c'est pas drôle. Ah bah tiens. Ah on va pas. Ah non. Presque. Y'a rien dans cette peau. Ah, c'est pas possible d'avoir quelque chose ici. On fait pas tout ça pour rien. Si? Je viens de par là, mais c'est pas avoir quelque chose quand même. C'est pas une arme ou autre. Va tomber derrière. Ah bah non. Bah non, bah mince. Je vais essayer de dégager tout ça. Oh bah non, y'a pas d'arme. C'était un foutu troll. Et sans lui, y'a rien, y'a rien, c'est sûr. Je t'en dis quand il y a rien. C'est juste ça, c'est un troll, c'est ça? Carte. Bon. Ok, là je suis là. Ok. Cette porte là. Ok, celle-là elle est fermée. Ok, et si je fais. Quand ça on la mettra plus tard. Ça on va la mettre importante. Et retrouver un bande de solitude, on prend pas de. Mais ça on va prendre. Là. Ok, donc là elle est là. C'est pas ce que je me disais. Ok. Dans le genre nul, y'a pas mieux que moi. Ouvrez le quin. Bah voilà, on va ouvrir le quin des anciens. Je le sens mal, mais à un tel niveau, c'est horrible. Elle est pas meilleure celle-là? Alors. Non, elles sont nulles ces armes. Le mec s'est fait à peine tirer dessus. Alors là, je suis où? Je suis là, ouais, ok. Je suis la route. Tranquillement. Tac, 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 tac. Donc c'est ici le quin des anciens, si je me trompe pas. Non, c'est pas par là. Ok, non, c'est pas par là. Ah non, c'est là. Enfin, vu le peu de potions que j'ai. Ah tiens. Case de troll, c'est intéressant ça. Peut-être celle-ci. On va d'abord parler à Ramon, hein, j'en ai sûr. C'est fait, on sera tranquille. Ramon il est par là, ne tourne pas, voilà, il est bien là. Par les divins tout puissants, vous êtes là. Vous ouais. Êtes vraiment là. Cet horrible sacrement noir, ça a marché. On va regarder le silence, pas d'assassin. Très bien. Vous n'êtes pas très loquace, hein? Bon, vous devez représenter la confrérie noire, je n'attendais personne d'autre. Alors, j'irai droit au but. Ça marche. J'ai un contrat à vous proposer. Plusieurs, en fait. C'est probablement le contrat le plus important que votre organisation ait eu à traiter jusque-là. Comme je vous l'ai dit, je veux que vous tuiez plusieurs personnes. Les cibles et les méthodes seront tout aussi variées. Je suis sûr qu'avec votre tempérament, vous finirez même par aimer ça. J'aime déjà ça. Mais sachez que ces meurtres ne sont qu'un moyen pour parvenir à nos fins, car ils ne feront qu'ouvrir la voie pour tuer notre cible principale. La raison pour laquelle je m'abaisse à parler à un coupe-jarret dans les entrailles de cette horrible crypte, attention à toi. Je veux commanditer l'assassinat de l'empereur. Je sais que ce que je vous demande est atroce, mais c'est tout à fait dans les cordes de la confrérie noire, non? Oui, mais enfin, c'est l'empereur. Vous devez comprendre, tant de choses se sont produites pour en arriver là. Toute cette organisation, toutes ces manigances, c'est comme si les étoiles s'étaient enfin alignées. Mais je me laisse emporter. Tenez, prenez ces objets, ils sont à remettre à votre chef. Rexus.
les objets. Lui, j'allais le tuer. Dès maintenant. Mais bon, comme il est gentil. Ici. Ici. La lettre cachetée donne le détail de ce qui doit être fait. L'amulette a énormément de valeur. Vous pouvez vous en servir pour couvrir toutes vos dépenses. Ça marche. Ok. Mais dans ton coffre, il y a quoi ? Vous avez besoin d'autre chose. Non. Bon. Ok, elle fait ça, putain de sacrement lui. Ah, le psychone, c'est intéressant ça. Ok, ça c'est pour la confrérie noire. Ok, ça marche, bon. Bon bah je pense qu'on va continuer là-dessus. On va partir sur ici, on va y aller. On va y avoir une sauvegarde juste avant. Et voilà. Ok, il faut mettre les pélages ici. Je le sens mal. Très très mal. Bon bah là-dessus, en fait, on finira sur cette... cette crypte, on va dire. On va appeler ça une crypte. On est en mode plus crête déjà. J'entends la musique du Skyrim en fond. Merde, pourquoi j'ai pris les verres allumés moi. Celui-là. Nous apporte... Normalement, les livres, il y a certains livres qui nous apportent quelque chose, d'autres non, on sait jamais. Ah, par contre, ça. Peut-être celle, je veux bien. Pourquoi j'ai pas pris tout de suite en mode main avec. La vidéo, lui. On va la voir ici. En mode toute grosse crêne. Ah oui, j'entends des bruits, c'est pas. Je peux pas savoir d'où ils viennent. Ok. Lui, on va l'avoir à l'arc. On va une bonne partie à l'arc, je pense, là, parce que ça va être assez chaud sinon. Tout ne bouge pas. L'arc, les flèches. Ok, ça va être en axe là. Bon. Avec ça. On a le niveau tout pile, je vais pas dire, s'il y arrive vraiment à point. Toujours la vigueur de toute façon. Et le point il va être utile aussi, hein. Ça va être l'arme à une main, je pense que l'arme à une main il y a une évolution. Non, ah bah voilà. 60 points de dégâts, c'est ce qu'il me fallait. Je peux pas faire mon pouvoir moi. Ok. Je pense qu'il est plus fort que ce qu'on pensait. Hein. On va tenter les compétences. Je suis toujours niveau 14. Ok, j'ai rien perdu de tout ça. Je pense qu'on va essayer d'explorer un peu avant. D'aller en mode. Bah, je sais pas comment le faire pour le tuer parce que là, il est vraiment très fort. C'est vrai que l'arc est pas encore assez fort, je sais pas encore. Eh bah, mon arc il sort quand là? Ok, un petit bug. Ma dague. Ah, j'allais dire.
Ok, bon là ici on va pas affronter lui tout de suite. Se cacher. Ok, donc c'est lui, je vois qu'il y a un trou juste au-dessus de lui. Ah tiens, un mot. Ça a pris vie au roi de perception. Ok. C'est le meilleur moyen de les vaincre, ceux-là. Alors. Ok, non, l'urne, je m'en fous. Le coffre, flèche d'humeur, c'est un peu intéressant. Potion, vigueur, ok, ça c'est intéressant. C'est tout. On arrive ici, on a que ça. Peut-être t'es pratique pour le vaincre, lui. Je pense pas aller le vaincre tout de suite. Hein. Je pense qu'on va se casser d'ici en vitesse. Après, le coffre a l'air terrible. J'hésite. Arme déjà. Les flèches, flèches à 14. Oh, ok, on va mettre ces flèches là. On va tenter plusieurs esquives, de toute façon on a un assassin, notre but c'est d'être rapide. Hein. Ah j'ai un... Ok, donc là on a voulu un niveau. Ah non, pas celle-là, celle-là et celle-là. Oh, non, punaise, il fait trop mal, mais... Ok, en fait, il nous... Ok... Et bien de toute façon, je reviendrai vaincre, on va vaincre plus tard. De toute façon, même le mot, j'en ai pas besoin pour l'instant. Je t'ai pas assez. Je retourne tranquille. On va éviter de le vaincre, hein, d'essayer plutôt. Même juste essayer. Par contre, tiens, je me demande un truc. Magie. Cri. Ok, donc là, je suis tout. Marque mortelle. Ah, ça peut être intéressant ça. Tiens. Néant, vous confère. Je vais prendre plutôt celui-là, tiens, qui aurait intérêt, je vais voir ce que c'est. Ok, donc, ok, bah. Hop. On va voir ce que c'est. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, c'est pas grave. On le fera plus tard. Là, on va sortir un peu de tout ça. On sait ce qu'il y a ici. On sait qu'on peut y rentrer. C'est déjà ça. Et on se fera quand on sera un peu plus équipé, un peu mieux, avec des meilleures armes. Surtout. Donc ici, les quêtes, on en est où pour les quêtes pour l'instant? Alors, la loi du silence. Je peux essayer d'emmener ce manège. En tout cas, ça c'est bon. Lire la lettre, la livrer, ouais. Ok. Et malheureusement, la solitude, on a... Donc là, on est où? Ah ouais, elle. Tac. Sachant que je dois aller jusqu'à la confrérie noire. Bah écoutez, je vais aller jusqu'à. Je vais retourner jusqu'ici, jusqu'aux écuries de Blanche Rive. Et juste après, j'irai à Solitude, et puis on ira parler à Malborne à Solitude, et puis on continuera la fois prochaine pour les autres missions. Je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve pour la fin de l'épisode. J'avais dit. Ah, on peut aller voler. Bon, non. Pour parler, je sais plus comment il s'appelle, Malborne, je pense, c'est ça. Ouais, on va lui parler, s'asseoir. Khajiit. Bien le bonjour. C'est notre ami Mujol qui m'envoie. Vraiment? Ouais. C'est vous qu'elle a choisi? J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Bah ouais. Écoutez, je peux faire entrer de l'équipement en douce dans l'ambassade. N'apportez rien avec vous. Les Talmor ne plaisantent pas avec la sécurité. Ok, ça marche. Donnez-moi ce dont vous avez absolument besoin, et je ferai en sorte de le cacher dans l'ambassade. Le reste dépend de vous. Ok.
Donc, que voulez-vous? D'accord. Je ferai entrer ceci à l'intérieur de l'ambassade. Ok, alors. Ne vous inquiétez pas, je vous retrouve à la soirée. Je donne ma dague. Ma dague arc supérieure, si. Je donnais mon épée. Ma tenue. La miniature, je la donnais parce que j'en aurais besoin là-bas. Ah non, hop. J'aurais besoin aussi. Bon, là, nous, on va le prendre comme ça. On aura tout notre équipement. Hein. Hop. Les bottes, je les donne aussi. Celui-là, les gants. Ok. On en reviendra d'autres façons. Potion, ouais, non, on en aura pas besoin. Je crois que j'en attendais davantage. Ah non, je suis tout nu. Bon, que reste de l'équipement sur moi quand même. Tenue. Ouais, non, ouais, bon, tant pis, je vais être tenu. Je me sens léger d'un coup, hein. Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Je me charge du reste. Ça marche. Donc là, la quête, elle me pousse où? Ok, donc je la retrouve à Delphine. Bon, on va se mettre devant Delphine et puis on arrêtera l'épisode ici. Hein. Vermin de ciel. Votre travail consiste à vous introduire dans la soirée sans être démasqué. Je me charge de... Donc Delphine, elle est là, ouais. Vas-y, cru. Court tout nu, quoi. Regardez! Regardez! Vous allez attraper froid. Vous devriez au moins couvrir vos parties intimes. Alors. Vous donnez à Malborne les choses que vous... Oui, prêt. Bien. J'ai votre... Mais le seul moyen... Ce qui veut dire que vous devez en avoir l'air. Et que vous ne devez porter aucune arme. Je garderai le reste de vos affaires jusqu'à votre retour. Vous n'aurez que ce que Malborne aura fait passer pour vous, plus ce que vous pourrez trouver à l'intérieur. Ça marche. Objet tenu. Botte festive. Et... Ouais, stylé. Et c'est tout. Tout ce qu'elle m'a donné. Ah, elle m'a donné l'invitation aussi. On va lui parler pour dire qu'on est prêt. En route pour l'ambassade. C'est parti. Ne vous inquiétez pas. Vous retrouverez tout intact à votre retour. Contentez-vous de revenir en vie avec les informations dont nous avons besoin. Ça marche. Merci. Donc là, j'ai tout perdu. J'ai plus rien. Talent repos, on peut le temps de le reste. Ah, je ne suis pas le seul à arriver en retard à la petite soirée d'Ellen Wen. Ok, bon, ça marche, donc on y est. On arrive en calèche. Donc écoute. Je vous salue, monsieur. Merci. Mon retard est davantage dû au. Ah, il m'en fout, il m'énerve. Voilà. Donc écoutez, bah voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Vous pouvez aussi vous abonner pour suivre d'autres vidéos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Enfin, des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous pouvez aussi voir sur notre site Nidogun Tax Gaming, pour être là-dessus, on a une section forum, vous pourrez mettre toutes les questions que vous avez. Bienvenue à l'ambassade. Pour, votre invitation. Deux minutes. Si vous avez la. et si vous voulez, si vous avez aussi d'autres vidéos, on a aussi Facebook, Twitter, et toujours sur le site Nidogun Tax Gaming, vous avez toutes les séries, aussi les séries de Nidog. Donc voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.